Alors, d'abord, un grand merci à François Ruffin de nous donner la parole. Entreprise historique de la minoire automotive Amiens est née en 2003, après le dernier plan industriel de Maritime Araignée dans notre région. Pour rappel, le site comptait plus de 1000 salariés en 2000. Après 50 années d'expérience et d'un savoir-faire reconnu du secteur automobile, Automotive Amiens est en train de mourir, comme Goodyear, Cosra et tant d'autres tels que Whirlpool. En effet, les actionnaires actuels, en accord avec le groupe Magneti Marelli, client principal, représentant plus de 70% du chiffre d'affaires, ont décidé de stopper la fabrication des produits faits à Amiens. Notre société vient de nouveau d'être placée en cessation de paiement. Le tribunal de commerce d'Amiens doit statuer le 18 mai prochain sur une période de redressement judiciaire demandée par notre direction. La liquidation judiciaire est désormais inéluctable et le licenciement des derniers irréductibles, ex-Magneti Marelli, n'est qu'une question de semaine car nous fabriquons les dernières commandes. Les équipements de production seront probablement repris par Magneti Marelli et une partie de la production encore en série sera délocalisée ou réintégrée dans une usine Magneti Marelli. Les 57 salariés d'Automotive Amiens ne veulent pas mourir ainsi dans le schéma classique de l'indifférence et le mépris d'actionnaires fantômes qui nous disaient avoir une affection toute particulière pour notre entreprise. Alors qu'elle était promise, aucune solution concrète et construite de reprise n'existe à ce jour. Pourquoi ? Le projet de reprise partielle de la société n'a-t-il été qu'un erreur pour que nous poursuivions le travail ? Nous demandons la reconnaissance et la valorisation de toutes ces années passées à faire notre travail avec un grand professionnalisme au service d'un grand groupe. Propriétaire de plusieurs sociétés, nos actionnaires refusent à ce jour de négocier des primes de licenciement décents sous prétexte de difficultés de l'entreprise. Nous ne pouvons pas croire qu'il n'existe aucune solution. Nous sommes les laissés pour compte, juste 57 numéros de pointage. Nous ne voulons pas mourir en silence. Merci de votre attention. Et merci à tous.